C'est à 11h, passé de quelques minutes, que le président de la République est arrivé au stade Al-Bouri Ndiaye de Louga. À sa descente de l'hélicoptère, le chef de l'État a été accueilli par les autorités administratives, religieuses et autres personnalités politiques de la région. Dans la capitale du Ndiambou, le président Macky Sall est venu perpétuer une tradition, témoigner à la famille de Cheikh Oumarou Fouti Youtal toute l'importance qu'il accorde à la ziara dédiée à Thierno Muntaga Dahatal. Un événement qui marque reconnaissance, dévotion, recueillement et communion avec le Seigneur. À cette 54e édition, des délégations de la grande famille de Cheikhou Oumar sont venues des quatre coins du Sénégal, mais aussi du Mali et de la Guinée. Et le chef de l'État de saluer cette unité autour de Thierno Bachir Tall, khalife de Cheikh Oumarou Foutiou. Le président Macky Sall a également loué la dimension exceptionnelle du khalife, son humilité, sa discrétion et ses enseignements qui font de lui un serviteur infatigable de la communauté, de la Tijaniya et de l'islam. À Thierno Bachir, le chef de l'État a renouvelé ses condoléances, condoléances à la communauté mouride et à toute la Ouma, suite au rappel à Dieu de Serigne Sidi Makhtar Mbake, défunt calife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Occasion que le président de la République a saisie pour magnifier l'excellence des relations entre les différentes familles religieuses du Sénégal et leur guide spirituel. Non sans solliciter des prières pour l'union des cœurs autour de l'essentiel, un Sénégal de paix, uni et prospère. Thierno Bachir Tall de saluer ce discours unificateur et surtout l'engagement du président Macky Sall pour les spirituels et ceux qui l'incarnent. La mobilisation des Lougatois pour la réussite de l'événement a été notée et le calife a témoigné du soutien des différents responsables administratifs et politiques du Ndiambour. Devant le président Macky Sall et devant les disciples, Thierno Bachir Tall a mis un accent particulier sur ses relations avec Touba et son défunt calife, dont l'œuvre exceptionnelle doit profiter à tous les musulmans. Et l'honneur est revenu à Thierno Nourou Tall de formuler des prières. La ziara sera ainsi rythmée au cours de ces deux jours par des séances de lecture du Saint-Coran et de causeries autour de la paix et de la droiture.